Avant qu'on n'y ait pas. Hein. Aucun réflexe. Hop, deux fois. Allez, préparez-vous. Attention. Qui? Allez, ok, bougez un peu. Alors, bougez, il faut bouger, hein. C'est pas juste faire ça. Il faut que je voie vos genoux bouger, vos genoux, vos jambes. Vous avez un petit peu de place chez vous, vous pouvez bouger. Moi, je bouge chez moi, dans ma place, dans ma truc. Allez, montez un peu les genoux. Maxence, faut monter plus que ça. Et Marois, là, faut monter tout court, parce que là, tu montes rien du tout, là. Allez. Allez, les talons aux fesses en arrière. Continuez, continuez. Dis continuez, tout le monde s'arrête. Allez, Léonard. Bah ouais, mais en même temps, c'est que j'ai des courbatures. Les courbatures de quoi d'hier? Ben non, mais du sport au collège. Hier, c'est pas trop dur. Que tu fais comme sport en ce moment, Eleonore, à l'école? Du hockey. Hockey sur Ouais, gazon? sur goudron. Goudron. Encore mieux. Allez, pied doucement. Allez, vous mettez en garde. On a la jambe gauche devant. Et là, on se déplace. On continue à se déplacer. Je descends un petit peu ma caméra. Vous essayez de vous déplacer. Toujours la même jambe devant. La jambe gauche devant. À aucun moment, on change de jambe. À gauche, à droite, sur le côté, devant, derrière. Et on est en garde, Maxence. Montez tes bras un peu plus haut. Essaye d'être Maxence. Regarde, de face. Pas de trois quarts, côté comme ça. Essaye de rester de face. Ouais, voilà, plus comme ça. Après Oscar, la caméra est trop haute, je vois quasiment rien. Jules, il n'a plus de garde du tout. Essaye de te mettre plus de face, Maxence. Faut que tu aies les deux jambes devant toi. Regarde, toi, Maxence, t'es comme ça, là. Il faut que je vois tes deux épaules. Tac. Hop là. Ouais, t'es un tout petit peu de côté, mais c'est mieux déjà. Monte tes bras, Jules. Attention, quand je vais dire top, on s'arrête. Boum, on met un coup de poing gauche. Attention. Top. Et on revient. Attention. Art. Toujours en bougeant, Oscar. Hein. San. Il faut être rapide, Jules. Ce. Wow, le gauche, Marois, le gauche. Un Marois, tend le bras gauche. Lio, 6. Ouais, tend bien le bras, Maxence, un petit peu plus haut. Pas, 7. Dio, je me suis trompé. Allez, che. Voilà, et on saute. Maintenant, attention, quand je compte, on s'arrête. Et là, je mets droite et gauche. Coup de poing, bras arrière du bras droit, coup de poing du bras gauche. Un bras arrière, ben, mon bras est toujours plus en arrière par rapport à mon autre bras. L'arrière et l'avant. On pivote bien, on revient bien en garde à chaque fois. Ce n'est pas juste les bras qui tapent, hein, c'est on pousse sur l'épaule. Hein. Vous avez vu, là, je me grandis à chaque fois pour faire ça. Ce n'est pas que le bras, on cherche loin. On revient, hop, et on ramène sur l'autre. On souffle bien à chaque fois.
Allez, bougez un petit peu. Attention. Allez, Maxence, bouge. Allez, y. Moi, je veux droite et gauche en marron. Ah. Ouais, un peu plus rapide, Éléonore. San. Laisse ta jambe gauche bien devant, Oscar. Ce. C'est droite et gauche, Jules, t'as pas écouté. Wow. Léo. C'est droite et gauche, tu n'as pas écouté non plus, Maxence. Chi. Voilà. Pas. C'est pas le bon bras, Oscar, c'est le droit d'abord. Dio. Che. Et on est bien, on garde à chaque fois. Allez, ça marche. Aussi. Allez, Maxence, on bouge. Allez, on monte un genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On écarte, on serre les jambes. Et on va faire 10 pompes et 20 flexions. Deux fois. Allez, je vous laisse me faire à votre vitesse les 10 premières pompes. C'est parti. Pliez bien les bras. Ça fait un peu mal, on descend un petit peu moins bas. On peut monter un tout petit peu les fesses ou on pose les genoux comme on veut. Pliez les bras, Léonore. Là, je vois que tes fesses qui font ça. Je ne sais pas les faire. Mais si, faut que tu plies un petit peu plus. Tu les sens moins bas, mais. Mais oui, je sais bien les faire. Mais si, tu sais les faire. Mais si, tu m'as fait le coup l'autre fois déjà. Eh bien, descends moins bas. Descends moins bas. Là, tu descends trop bas. C'est pour ça que tu n'arrives pas. Tu descends un petit peu moins bas. Voilà, monte un peu plus les fesses. Tu vas te faire mal au dos sinon. Essaie de mettre tes fesses un petit peu plus haut. Boum, voilà. Et voilà. Mais moins bas. Ou sinon, Éléonore, tu mets les genoux par terre. Tu fais la même position, mais tu poses tes genoux. Non, la même position. Hein. Ce n'est pas la même position, là. Mets-toi en position de pompe. Hein. Voilà. Et là, tu poses tes genoux. Au même endroit que là où elle serait. Voilà. Tu te mets en avant, parce que là, tu es en arrière, là. Mets ton poids en avant. Et là, voilà. Puis là, tu descends sur les bras. Faut que tu sentes que ça force, mais moins. Essaie de reculer tes genoux encore. Regarde, je te montre. Regarde, toi, tu fais ça, là. Tu es là, tu descends là. À la pompes, on peut en faire 500. Et comme si tu étais en position de pompe, mais tu poses tes genoux. Tu as vu, mes fesses, elles sont en bas, elles sont pas en haut. Si je monte mes fesses, c'est très facile. On descend les fesses, là. Ça fait des vraies pompes, mais c'est un peu plus facile. Donc le corps, il reste à peu près droit. Allez, dès que vous avez fait vos 10 pompes, vous me faites 20 flexions. Les flexions, c'est les jambes, on descend, hop, et on remonte 20 fois. C'est parti. Écarte un petit peu plus, Éléonore. Maxence, je te vois plus, là, qu'est-ce que tu fais? Quand vous avez fait vos 20 flexions, eh ben, on fait la même chose. C'est-à-dire que je veux voir 10 pompes, vous vous remettez debout et ensuite 20 flexions. Allez Maxence. Maxence,
Ça fait 2 fois 10 pompes et 2 fois 20 flexions. Allez, moi je veux 2 séries au total. Allez, Marois aussi. Tu as fait 2 séries, Marois. Tu as fait 20 pompes et 40 flexions. C'était rapide. Faut que tu recules tes jambes, Éléonore. Là, toi, tes fesses, elles sont trop hautes. Voilà. Et là, tu descends. Et si vraiment c'est dur, tu descends moins bas. Et tu vas apprendre à les faire comme ça au départ. C'est pas grave, t'en fais 8, la prochaine fois, t'en feras 9, etc., etc. T'as fini, toi, Oscar ? Non, Jules, il est en train de dormir dans sa chambre, par terre, là, sur le tapis. Ah non, il est là. Un peu plus vite, ceux qui n'ont pas fini. Impeccable. On bouge un petit peu. On sautille. Attention, montez vos bras, on a la jambe gauche devant. Et là, quand je dis top, boum, boum, on met deux directs. On vient bien en garde à chaque fois. Un, deux, on pivote bien, c'est pas que le bras. Comme tout à l'heure, vous avez vu, je tourne à chaque fois. Un, deux, bien placé. Mon autre bras, il n'a pas bougé. Un, deux, boum, boum. Allez, attention, mettez-vous en garde, bougez. Allez, dix. Regarde où tu frappes, Maxence. Ah, essaie de rester de face. Allez, Jules. Gauche, gauche, hein, Jules. San. Regarde où tu frappes, Éléonore. Là, tu regardes là, puis tu fais ça là. C'est devant qu'il faut taper. Ou bien là. Attention. Ce, 4. Wow. Pas le bon bras, Marois. C'est le gauche, on a dit. Léo. Chi, allez un peu plus vite, Oscar. Faut que ce soit rapide entre les coins. Boum, boum. Pas. Tiens. Che. Ok. Allez, on va étirer un petit peu ça doucement. Hop là. Allez, dans gauche devant, bien plié. Les mains sur le genou. En appui. Li, A, San, Se, Wo, Lio. Chi, pa, dio, che, li, a, san, se, wo, lio, chi, pa, dio, che. Deux mains par terre, on décolle le talon. On appuie. Li, a, san, se, wo, lio, chi, pa, dio, che, li, a, san, se, wo, lio, chi, pa, dio, che. Et on redresse. Kompu, de l'autre côté. On se place doucement. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lio, chi, pa, dio, che. On décolle le talon. Yi, a, san, se, wo, lio, chi, pa, che. Et on reste. On écarte, on envoie les genoux sur le côté, on pousse fort avec les coudes. Poussez, poussez, je reviens. Allez, on passe poupou. Ah, quand je vous dis de maintenir, il faut maintenir. Il ne faut pas que je vous voie debout en train de m'attendre. Allez, de l'autre côté. Hop. Allez, tendez les deux jambes.
Double coucou. Allez, on essaye de s'asseoir. On essaye, on s'assoit. Hop là. On a le bout des pieds en l'air. Les mains sont devant. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Main gauche, pied gauche, c'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa, Dio, Che. Main droite, pied droit. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa. Dio, che, de main devant, yi, a, san, se, wo, dio, chi, pa, dio, che, et on se retire doucement. Remettez-vous debout. Alors, on fléchit la jambe arrière, on tend la jambe avant. Les mains derrière le dos, on se place doucement et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che, Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. On se met de l'autre côté et on appuie. Yi, A, tu veux venir? San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che encore. Yi, A, San, Se, Wo. Lio, allez, Maxence, descend. Chi, on se carrossit. Pa, Dio, Che. Et on relève, on repasse de l'autre côté encore. Deux mains derrière le dos, c'est parti. Yi, descendez bien. A, San, Se, faut bien que tu pites ta jambe, Oscar. Hein. Wo, Lio, Chi, Pa, Dio, Che. Deux mains sur le genou. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa. Dio, che. Deux mains vers le pied. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa, Dio, che. On change de côté. Derrière le dos, c'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Lio. Maxence, 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 là, tu vas regarder comme ça, là. Là. Maxence, t'es comme ça. Je pense que plus bas, tu peux pas. T'es comme ça, puis t'es là. Ah, faut pencher, Maxence, hein. Il faut forcer un petit peu. Hein. Alors, prends. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa, Dio, Che. Deux mains sur le genou. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa, Dio, Che. Deux mains vers le pied. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi, Pa, Dio, Che. On plie. Et on relève. On tourne un petit peu ça dans tous les sens. Allez, je vous laisse aller boire un petit coup. Je vous déconnecte et puis on se reconnecte dans deux petites minutes. À tout de suite. On a commencé pas prêt. Bon, allez, on va commencer. Maxence veut nous rejoindre. Le temps qu'il se connecte. On va parler, ça va tomber, ça. Allez, on va commencer par faire un petit jibengong, des petits exercices de lancer de jambes. Parce que je me suis rendu compte au cours de samedi. Ah, mais il est là, Maxence. Tu m'entends, Maxence, ou pas? Est-ce que tu m'entends, Maxence? Maxence? Que tu m'entends, Maxence? Ah, super. Je pense que c'est bon. Maxence, est-ce que tu m'entends? Bon, allez.
Levé de jambes, parce que je me suis rendu compte que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Les adultes en font beaucoup, puis nous un petit peu moins. Donc là, on va faire ça. Charlie, enlève-moi ça. Charlie, je ne peux pas faire, c'est la seule. Alors, on tient droit, hop. Ceux qui ont un petit peu de place chez eux, vous pouvez le faire en avançant. Hop. Moi, je prends de la place là. Si vous n'avez pas de place pour faire les levées de jambes, vous le faites sur place. Hein. Je laisse ma jambe ici, sur place. Hop. Et puis je refais mon petit pas, vous avez vu là comme je suis là. Marois qui revient. Allez, moi ce que je veux voir, c'est pour l'instant. Alors, ceux qui peuvent le faire, on va le faire au total 10 fois. Ceux qui peuvent le faire en avançant, ben, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et ceux qui ne peuvent pas le faire en avançant, qu'ils font sur place, 5 à droite, 5 à gauche. Donc là, pour l'instant, je suis ici et je lève. 5 petits touets, ramène ma jambe, mon dos est bien droit. Allez, on alterne et c'est parti. 10. Ah. San. Attention à vos bras. Ce, il ne faut pas que les bras bougent. Hein. Wow. Lio. Peut-être garder ta main comme ça, Oscar. Chi. Pa. Ayoub, arrête d'embêter ma roi. Gio. Laisse tes bras comme ça, Jules. Tu les laisses comme ça. Che. Hein, les bras, on les met là, c'est que pour le premier. On se place, le premier. Hop. La fin, on reste toujours comme ça. Allez, deuxième. Wapaitwe, le croissant, vers l'extérieur, on lève. On essaie de venir toucher la main. La jambe étendue, vous connaissez, appliquez-vous bien. Je ne veux pas que les bras bougent dans tous les sens. Je veux qu'il y ait vraiment, même si on ne lève pas très haut. Hein, vous avez vu, mes mains ne bougent pas. Il ne faut pas chercher à ce que la main vienne toucher le pied. C'est le pied qui va aller vers la main. On a le droit de tourner la main que lorsque le pied se rapproche. Attention, c'est parti. Yi. A. San. Se. Allez, appliquez-vous là, vos bras vont dans tous les sens là. Wo. Lio. Chi. Pa. Monte tes bras, Maxence. Tes bras, là, ils bougent tout le temps là. Gio. Jules aussi. Jules, arrête de bouger tes bras là. Laisse-les en haut. Et che. Ping. Voilà. Allez, litre-toué, on lève sur l'autre côté et on va venir toucher. Boum. Attention, appliquez-vous bien. Guy. Ah. Voilà, c'est pas ton spécial, chez Léonore. San. Faut bien tourner. Hein. Wow. Lire. Allez, Jules, monte-moi tes bras. Chi. Pa. Dio. Che. Alors, tu fais gaffe, j'ai juste de remarquer, Oscar, tu t'es trompé de côté, là. Alors, j'espère que tu m'as fait le mauvais tout à l'heure aussi. Tu t'es trompé de sens, de coup de pied. On va partir sur un petit jibengong maintenant de Taolu. Un petit jibengong de Nam Chuan. Attention, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Enfin, l'enchaînement qu'on va faire, vous ne le connaissez pas. Maxence, t'es où? Maxence? Bon. Alors. Attention. Je suis ici. Là, avec les bras, on va juste venir faire ça. Regardez. Hein, je fais un tour du haut vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Quand j'arrive ici, je croise les mains. Ma main droite, elle est dessus. Hein, j'ai une main qui est un peu plus sur le devant et une qui est en arrière. La main qui est sur le dessus, qui est devant, c'est la main droite. Quand je fais ça, je fais gaffe, Léonore, c'est pas ça. Pour monter les poignets, hein, les mains, c'est toujours comme ça. Là. C'est comme si je faisais ça. Là. Boum, sauf que là, je le fais avec les deux. Bon. Quand je le fais, je regarde dans cette direction. Pour moi, c'est ma droite. En même temps que je le fais, je vais venir avancer ma jambe gauche derrière ma jambe droite pour faire un kwaipu. Un petit pas chassé, un petit pas croisé, pardon.
Ah, mes jambes, elles font juste ça, regardez. J'ai une jambe qui passe derrière. Je fais tout ensemble. Hop, allez-y, allez-y, faites juste ça, que je vois si vous ne trompez pas de jambe déjà. Ma jambe droite est devant, ma jambe gauche, elle passe derrière. Non, dans l'autre sens, Maxence. Du haut vers le bas, comme ça. Ouais, il faut bien que tu fasses ça avec tes mains, Oscar, hein, regarde. Oscar, pas comme ça, comme ça. Boum. Ça marche. Quand on a fait ça, vous me faites ce shaitoué. Hein, quoi? Ce shaitoué, coup de pied de côté. Je suis ici, attention, regardez bien. Je lève, et là ma jambe droite, je vais venir faire un coup de pied. En même temps, je vais venir tendre mon bras et ma jambe. Je vais remonter un petit peu mon truc. Je n'ai pas trop de flash chez moi là pour le faire beaucoup en avançant, mais je suis là. Hop, boum. Je lève mon genou droit, et je vais tendre mes deux bras. Et ma jambe, évidemment, le tout en même temps. C'est ma jambe droite et mon côté droit. On va le faire ça 10 fois. C'est la jambe droite qui fait le coup de pied. Attention, préparez-vous. 10, on croise, coup de pied. Boum. Et on se place. Ar. Coup de pied. San. Coup de pied. On essaie de rester à peu près droit. Ce. Ah, Charlie. Wow. Allez, les 5 suivants, je vous regarde. Chi. Ah, moi, je veux voir les bras. Hein. Je veux voir les bras aussi. Hein. Pa. Appliquez-vous bien. Faut que tu tendes les bras, Barois. Yasan Sewo Lyoshi, pas. Dio, il faut essayer de lever plus haut, Maxence. Che. Ah, vous pensez bien, il faut que je voie un coup de pied de côté. Hein. Parce que pour certains, c'est les coups de pied dans les chevilles que je vois là. Pour certains, je vois ça là. Il faut lever un peu plus haut, je ne demande pas de lever à la tête, mais. Là, faut au moins lever par là, quoi, au niveau du corps. Pour que ce soit plus joli, après, on peut le faire au niveau de la jambe, hein, mais c'est bien de faire des beaux coups de pied. Quand on va faire ça, attention, c'est là où ça va se corser. Vous allez faire un tour entier sur vous-même et vous allez me faire Kwa Kai Xuan. Kwa Kai Xuan, qui c'est qui se rappelle de ça? Moi, Eleonore, elle connaît, Jules aussi. Ils étaient là hier soir. Kwa Kai Xuan, vous savez tous le faire, mais vous ne connaissez peut-être pas le nom. Kwa Kai Xuan, c'est ça. Avec les bras. Hein, comme dans le premier Tao. Ça, c'est Kwa Kai Xuan. Donc là, quand je suis ici, quand je suis là, j'ai Charlie qui est à côté, là, qui me parle, qui est planqué. Hein. Je vais faire donc mon mouvement, et quand j'ai fait mon coup de pied, je vais me retourner sur ma gauche. Et je vais faire Kwa Kai Xuan. Je vous fais l'enchaînement aussi. Là, je fais mon coup de pied. Et là, mon pied, je vais le poser un petit peu sur le côté. Je vais me retourner. Bloquer, frapper. Et là, j'ai ma jambe gauche devant et mon poing droit devant. On fait ensemble tout ça. Je vais me mettre de dos à vous pour qu'on puisse suivre vraiment ensemble. Benoît. Ouais. Quand tu fais le coup de pied, tu reposes ton pied. Ton pied, tu le reposes à droite ou à gauche? Ça dépend ce que j'appelle à droite ou à gauche. Par rapport à là où je suis, on va dire que je le pose. C'est sur ma gauche. Mais je suis comme ça, donc j'ai pas de gauche et de droite, quoi. Mon pied, je vais le poser là ou là, si tu veux. Mais quand je vais le poser, en fait, c'est on va dire à gauche. On va dire à gauche. Regarde, mon coup de pied, il est là. Mais regarde, Jules. Mon coup de pied, il est là. Et mon pied, je vais le poser là. Voilà, pour moi, ça correspond à ma direction gauche. Je me retourne, je frappe du gauche et je frappe du droit. On fait ensemble. Regardez bien. Je suis ici. Attention. Dis, on croise. On lève, coup de pied.
Mon coup de pied, je le pose, hop là, par là-bas. Je retourne, je regarde derrière moi, bloqué bras gauche, et je frappe bras droit. Normalement, vous devez être jambe gauche devant, et le point droit qui a frappé à la fin. Hein, mon bras gauche est en arrière, ma jambe gauche est devant. On fait ça. Attention. Arc. On croise. On lève le genou. On pousse. On pose le pied sur le côté. On se retourne. On bloque bras gauche. On frappe à droite. On est kompu. Est-ce que tout le monde finit bien kompu, jambe gauche devant? Maxence, oui. Maxence, j'aimerais bien te voir, parce que moi je te vois pas là. Quand je te vois, tu es comme ça là. Là, moi je veux te voir dans ta dernière position. Allez, Maxence, montre-moi, parce que moi je peux pas te corriger, tu es comme ça. Benoît. Attends, je suis en train de regarder Maxence, parce que j'ai pas pu le voir quand il faisait. Ouais, c'est ça, Maxence, mais il faut que tu te tournes, il te manque un quart de tour. Faut pas que tu finisses comme ça, faut que tu finisses dans l'autre sens. Là, tu as fait un quart de tour. Moi, je veux voir un demi-tour, Maxence. Toi, Maxence, tu as fait ça, là, regarde. Tu as fait ça et tu as fini comme ça. Toi, c'est un quart de tour. Moi, je veux un demi-tour complet. Faut que tu imagines que tu tapes la même personne. La même personne devant, coup de pied. Boum, tu te retournes. Pam, pam. C'est sur la même. Oui, Léonore, dis-moi. En fait, j'ai un doute. Mais quand on commence... C'est la jambe gauche qui va derrière la droite ou l'inverse? C'est la jambe gauche qui va derrière la droite, oui. Ok. C'est forcément ta jambe gauche qui bouge. Après, si tu la mets devant, le coup de pied, tu pourras le faire quand même. Hein. Mais ce n'est pas très pratique. Allez, on continue. Attention. On lève, on croise. Coup de pied de côté. On se retourne. Bras gauche, bras droit. On se replace encore, attention. Wow. Coup de pied, on se retourne, bloqué, frappé. Attention à la suite, je vous regarde. Applique-toi, Maxence, applique-toi. Si tu as une question à me poser. Maxence, arrête de râler, là, je t'entends d'ici là. Si jamais tu as une question, tu enlèves ton micro et puis tu me parles. Et là, je te vois aller là. Attention, les cinq dernières. Je compte et je vous regarde. Lio. Ouais, Oscar, c'est pareil. Oscar, c'est comme Maxence, tu ne te tournes pas assez. Tu fais un quart de tour, moi, je veux un demi-tour. Vous devez imaginer, hein, tous les cinq, vous avez une cible en face de vous. Il faut tout faire sur la même cible. Hein, c'est pas je tape en face et après je tape sur le côté. Je fais tout sur la même cible. Un coup de pied devant, je me retourne et tout se fait en face. Vous avez vu? Tout se fait là. Attention, préparez-vous. Chi. Alors fais gaffe, Marois, là tu te trompes. Deux bras, deux jambes et c'est pas les bons mouvements. Donc il faut bien que tu regardes. Hein. Là, tu ne m'as pas fait ça au début. Il faut bien me faire ça. Jambe droite, coup de poing gauche, coup de poing droit. Attention, pas. Et on se retourne. Ouais, Jules, c'est l'air d'être ça. Avant-dernier, Dio. Et cheux, allez, appliquez-vous un petit peu là. Éléonore aussi, là, tu as les bras tout comme ça là. Faites-moi des mouvements puissants là. On essaie de lever la jambe un petit peu plus haut aussi, Maxence, parce que là, enfin, je. Essayez de vous donner un petit peu plus. Hein. Parce qu'entre ceux qui me font des coups de poing là, comme ça là, ceux qui me font des coups de pied ici là, ah, vous voyez là, vous voyez même pas ma jambe, mais moi, c'est ce que je vois. Paf, hein. Essayez de me montrer un petit peu que vous avez la pêche là. C'est pas la fin de semaine quand même. On va se rajouter un dernier petit mouvement, puis on finira sur un petit peu de sandbag. Alors, mon mouvement ici, hop là, j'ai croisé. Boum, pam, je me retourne. Bloqué, frappé.
Et lorsque je suis ici, je vais venir en fait avancer ma jambe droite. Et du coup, plutôt que de finir comme ça, eh bien, je vais finir, regardez bien, comme ça. J'ai juste rajouté un pas. Je n'ai pas rajouté de mouvement, j'ai modifié en fait le dernier. C'est-à-dire que là, je ne suis plus comme ça. Mais là, j'ai fait un pas en avant. J'ai monté mon bras gauche et j'ai frappé avec le bras droit. Je suis comme ça. Mon bras droit est devant. On va essayer juste ce petit mouvement-là. On commence, jambe gauche devant. On a les bras en arrière. Attention. On bloque bras gauche. On avance la jambe droite. On a la main gauche qui reste en l'air. Et on frappe bras droit. Encore. Attention, c'est pas ce que j'ai montré, Maxence, c'est pas ça. Que le dernier mouvement, tu l'as pas écouté. Jambe gauche devant. Attention. Ah, tendez le bras gauche. Bras gauche, Éléonore. Mais oui, mais du coup, il y a un problème. Éléonore, non, il n'y a pas de problème. Tends le bras gauche. Voilà, regarde, mais devant, pas en l'air. Bien, hop, là, on est comme ça. Mais oui, justement. Donc, si on est comme ça, ben, c'est le bras droit. Non. Mais non, on change de côté. Mets-toi d'autre côté. C'est le même début, Éléonore, que ce qu'on a fait avant. Regarde, Éléonore, quand tu es ici, là. Boum. Là, c'est bien ton bras gauche qui tape. Là, c'est bien le bras gauche qui fait ça. Là, c'est pareil. Là, je veux juste qu'on commence comme ça. Bras gauche, un pas jambe droite, et on frappe avec le bras droit. Attention. On continue. Jambe gauche devant, les bras sont en arrière. Tendez le bras gauche. Jules, Oscar, c'est bon? On avance la jambe droite. Et mon bras gauche, je le lève très haut. Et là, je frappe avec le bras droit en diagonale. Et c'est dans cette position-là qu'on doit arriver tout à l'heure. Tac. On fait une dernière fois, attention. Vous essayez de me le faire doucement, mais en une fois. Attention. Wow! Ok, on essaie de faire l'enchaînement entier. Attention, ouais, c'est ça, Maxence, bien. Attention, je me place ici. Dis, on croise. Coup de pied, je me retourne, le gauche, on refait un pas en avant et le droit. Normalement, vous devez tous être de face par rapport à moi. Ouais, Jules, c'est bon. Non, Benoît, j'y arrive pas trop à la fin. Là. T'as fini comme moi. Ouais, ma quart de tour, je pense. Il te manque un quart de tour. Eh bien, on refait doucement. Hein, Jules, moi aussi, j'ai un problème. Doucement. Mettez-vous bien comme moi. On va le faire tranquillement. Et là, pour moi, tout le monde était quasiment dans le bon sens, à peut-être un quart de tour près. Attention, mais vous devez penser, on commence dans un sens, on finit dans le même sens. Si vous finissez comme ça, ou comme ça, c'est que c'est pas bon. Vous regardez un mur de votre chambre, et quand vous finissez votre Tao, vous êtes décalé, mais vous devez pouvoir regarder le même mur. Sinon, c'est que vous n'avez pas assez tourné. Allez, on se place. Attention. Ah, on croise. On lève le genou, coup de pied. On pose la jambe, on se retourne. Bloqué. On avance la jambe droite, on lève le bras droit, on frappe. Et là, on est dans la même direction. Ça marche, le Jules, ou pas? Oui. Ouais, impec. Allez, on le fait deux fois, un peu plus vite. Quand je compte, on essaie de faire l'enchaînement complet en entier. Attention. Allez, wow! Le dernier, attention. Dio. Et voilà. Voilà, c'était deux mouvements. Ce n'est pas des mouvements hyper faciles, mais c'est bien de s'habituer à faire des mouvements comme ça de kwakai rapide. Dans tous les taos, on va les retrouver. Et c'est ce type de mouvement. On va faire un petit peu de sanda pour continuer. Allez, on est en garde. Jambe gauche devant, point gauche devant.
Attention, quand je vais compter, moi, je vais voir un coup de pied de face. On pose un direct du gauche, un direct du droit. T'es prêt, Jules? Allez, y. Ah. Les bras en haut. San. Se. Wow. Tourne plus sur ton bras droit, Eleonore. T'as Charlie qui est derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Attention, Lio. Si. Attention maintenant, on fait le même enchaînement, mais vous me rajoutez obligé un coup de poing. Ce que vous voulez, mais je veux voir un coup de poing. Direct, crochet, uppercut, coup de poing retourné, au corps ou à la tête, comme on veut. Il faut que ce soit logique. Ne me faites pas un truc bizarre qui ressemble à rien. Hein, il faut qu'on puisse l'enchaîner facilement. Hein, ce que je ne veux pas voir, par exemple, c'est un truc comme ça. Là. Hein, on essaie de faire un truc qui est lié. Ping, 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 ping. Boum, 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 boum. Il faut qu'on puisse le faire assez vite. Attention, préparez-vous. Allez, dit. Ah. San. Se. Wow. Lio. Chi. Ah. Yo. Pas mal. Attention maintenant, vous m'enchaînez avec un coup de poing au choix et un coup de pied. Moi, j'en veux deux. On commence avec le même enchaînement. Je fais mon coup de pied. Mais deux coups de poing. Et là, je vais voir après un coup de poing plus un coup de pied. On fait ce qu'on veut, mais on essaie de faire des choses différentes. J'aimerais bien voir les deux jambes et les deux bras. Ne me faites pas toujours la même chose. On est d'accord que les coups de pied comme ça, ça n'existe pas non plus. Les trucs moches, c'est pas ouf. On fait un low kick, on peut le faire. Il faut que ce soit bien fait. N'hésite pas à bien lever les jambes pour terminer. Allez, attention, préparez-vous. Dit. Coup de pied retourné, on peut faire si on a la place. Très bien, ouais. Ah. San. Benoît. Ah. On fait le les points en premier. Non, coup de pied. Oui, le coup de poing en premier, oui. Coup de pied, point, point, et puis là, un coup de poing et un coup de pied. Ton coup de pied, il n'était pas bien. Non, je ne l'ai pas fait, c'est pour lui dire ce qu'il fallait faire. Attention. Wow. Lio. Chi. Dio. Et che. Ok. Allez, pour terminer, vous allez me faire un petit shadows qui va durer 2 minutes. Le petit shadows, hein, vous allez me montrer ce que vous savez faire en sanda. Je veux voir que des coups de poing et des coups de pied. Pas de blocage, pas d'esquive, pas de mouvement de défense, que des mouvements d'attaque. On peut faire des directs, crochets, percutes, coups de poing retourné, coups de pied de face, côté, circulaire, coups de pied retourné si on ne se blesse pas en le faisant.
Il faut que ça dure 2 minutes. Il faut que ça ait la pêche. Attention, prêt. Top, c'est parti. Voilà, pensez à votre garde. Allez, faites-moi des choses qui existent. Les coups de pied dans les genoux, à votre âge, on n'en fait pas là. Il faut lever haut. Allez, appliquez-vous. Allez, je veux voir des enchaînements. Là, tu me fais que des trucs retournés, Maxence. Là. Je veux voir des enchaînements. Je veux au moins 3-4 coups à chaque fois. Pas de mouvement de défense, Maxence. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je veux voir que des coups de poing et des coups de pied. Allez, Léonore. Allez, minimum 3 coups. Bing, bing, bing. On récupère, on bouge un peu et on repart. Bing, bing. Attention de ne pas tomber, Oscar. Allez, Jules, monte tes bras. Jules, monte tes bras. Voilà. Ah, je vais voir tous les niveaux. Les coups de pied dans les jambes, au corps, à la tête. Allez, vous avez fait la moitié. Encore. Allez, Léonore. Allez, allez, on ne calcule pas là. Hop là, on ne réfléchit plus. Tu fais ce qui te passe par la tête. Allez, garde tes bras en haut, Jules. Pas de main dans les poches, ça c'est quoi ce travail-là? Allez. Allez, essaie de monter un peu plus les jambes, Maxence. Voilà. Allez, temps, pas mal. Voilà, pensez bien, quand on fait du shadows comme ça, il faut me faire des enchaînements. Des enchaînements, c'est plusieurs coups. 2 coups minimum. 3, c'est quand même mieux. Pensez à me faire des coups de pied quand même qui ont un petit peu plus la pêche et monter un petit peu plus les jambes. Allez, mettez-vous en écart. Maxence, pas de bêtises. Allez, mettez-vous en écart. Maxence, je ne vais pas le dire 10 fois, mets-toi en écart. Allez, Jules aussi. Vous avez levé les jambes bien, en tout cas plus que moi, donc je ne le fais pas. Je vous regarde le faire. Allez, Oscar. On t'a. Allez, asseyez-vous. Allez, vous mettez vos mains le plus loin possible devant vous. Allez, mettez les mains loin devant. Il faut que ça tire. Hein. Si vous me regardez et que vous êtes comme ça, c'est que ça ne tire pas beaucoup. Allez, faites semblant sinon là. Allez, mettez vos mains derrière vous, retirez-vous doucement. Allez, redressez. On met les mains sur les hanches, on tourne doucement dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, et je vous laisse vous remettre en place pour le salut. Pensez bien que le samedi, pour ceux qui veulent venir, il y a cours hein, au stade de Cholette. Il y a cours de Tao et ceux qui veulent faire un petit peu de Sanda, mais en sans contact, hein, sans se toucher. Il y aura peut-être Mao normalement qui sera là. Mais n'hésitez pas à venir, on était 7 ou 8 la dernière fois, c'était bien. Mais si on était un peu plus, je ne vous cache pas que ce serait mieux. Profitez. Allez, attention. Chingli.
Allez, passez une bonne soirée. Je vous dis à demain si vous voulez venir pour le Sanda. Et sinon, ben, à samedi pour le Sanda ou le Tao. Bye bye. Bye bye.